Bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Pierry sous le thème de ce matin, l'instabilité. On va regarder cela dans Jacques, chapitre 5. Merci d'être là et dites-moi d'où vous êtes, ce beau pays, cette belle ville. Et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran. Alors, on démarre avec ce chant qui s'intitule « Son nom est Jésus » de Phil Wickham. Ce Phil Wickham compose des chants magnifiques. Petite flèche du bord pour les paroles du chant. On y va ensemble. Le roi est dans son lieu, ses mains percées révèlent son amour. Le roi est dans son lieu, celui qui chasse la nuit pour toujours. Qui est ce roi? Qui est ce roi? Son nom est Jésus, son nom est Jésus, lumière du monde, en lui nous sommes libres, puissant souverain, son règne est sans fin, lumière du monde, en lui nous sommes libres. Le Sauveur est dans ce lieu, attendons-nous à vivre des miracles. Le Sauveur est dans ce lieu, aucun salut en dehors de sa grâce. En son nom seul, nous avons la victoire. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, lumière du monde, lui nous sommes libres, puissant souverain, son règne est sans fin, lumière du monde, en lui nous sommes libres. Aucun amour n'est plus puissant, mort pour donner la vie, ressuscité triomphant, aucun roi n'est comme lui, et toute autorité à jamais lui est soumise, victorieux couronné. Aucun roi n'est comme lui, aucun amour n'est plus puissant, mort pour donner la vie, ressuscité triomphant, aucun roi n'est comme lui. Et toute autorité à jamais lui est soumise, victorieux couronné, aucun roi n'est comme lui. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, lumière du monde, en lui nous sommes libres, puissant souverain. Son règne est sans fin, lumière du monde, en lui nous sommes libres. Oui, en lui nous sommes libres. Le thème du jour, l'instabilité. Nous allons regarder cela dans Jacques, chapitre 5. Versets 1 à 8. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Le mot partagé est intéressant dans le grec, c'est le mot dipsoukos. Dipsoukos qui veut dire esprit double, irrésolu, âme double, vacillant, incertain, doutant, divisé en intérêt. Et le mot instable dans le grec, c'est le mot akatastatos. Et dites-le avec moi, akatastatos, hein? Alors, instable, qui veut dire instable, inconstant, inquiet, agité, troublé. Et ce sont tous
des choses que Dieu ne veut pas que nous soyons. Alors, j'étais avec un ami pasteur et alors que nous discutions de l'instabilité parfois chez certaines personnes qui deviennent, on dit en anglais, un pattern ou un modèle ou modèle ou style de vie. C'est comme une roue qui tourne et qui revient. Ce sont des personnes qui courent après les opportunités, mais qui, dans un autre sens, sont difficiles à contenter. Car il y aura plus loin dans la roue sûrement une autre opportunité qui fera changer d'idée ou de direction. Comme je vous ai dit, il y a des gens qui sont là pour servir et il y en a d'autres qui sont là pour se servir. Alors, vous savez, ce genre de personnes qui vous bouffent des heures et qui finalement n'écoutent pas vos conseils ou vont faire leur tête parce qu'ils ne vivent jamais le contentement. Pour un moment, ça va aller. Ça va aller bien. Ça va aller. Pour un moment, ça va aller. Mais là, boum, ils rembarquent, ils retournent dans leur pattern d'instabilité qui cause des soucis parfois financiers ou qui leur font prendre des mauvaises décisions. Ça peut être en affaires ou faire des mauvais choix où ils doivent subir les conséquences de cela. Alors, vous savez, dans la racine du mot partager, on parle d'un esprit double, une âme double, une personne divisée en intérêts. Alors, aujourd'hui, n'hésitons pas à vous et moi à demander de la sagesse avec foi. Demandons la sagesse. Nous n'avons pas parce qu'on ne demande pas, mais demandons pour la sagesse régulièrement, car il est écrit qu'elle nous sera donnée. Et surtout, n'entrons pas en mode doute. On a parlé du doute dernièrement dans une des matinales, alors, parce que nous risquerions encore d'entrer dans un pattern ou dans un, je dirais, le vrai mot, je dirais, de pattern, c'est le schéma ou un schéma d'instabilité. D'entrer dans un schéma d'instabilité et ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire d'entrer dans ce schéma d'instabilité. Alors on va prier, beaucoup de sujets de prière ce matin. Alléluia. Seigneur, nous prions pour Noémie qui est atteinte d'une paralysie musculaire progressive et qu'on appelle la maladie de Charcot. Nous prions afin que Noémie soit complètement restaurée et guérie par ta main toute puissante. Nous prions pour Annie qui a été opérée d'une prothèse au genou et merci d'enlever toute douleur, merci de restaurer ce genou complètement. Merci de faire une œuvre extraordinaire. Merci pour Françoise, nous prions, Seigneur, alors que les traitements de chimio et tout cela, elle est hospitalisée dans les soins palliatifs. Seigneur, nous prions que Françoise reçoive de toi une guérison complète. Qu'elle reçoive, Seigneur, maintenant. Déploie ta puissance de guérison et du miraculeux. Nous prions pour Stella, ce nouveau bébé qui vient de naître, afin qu'elle soit en bonne santé. Pose ta main sur elle maintenant. Ta main toute puissante. Nous prions pour Mélissa, pour une guérison complète d'un cancer de la peau, au visage, Seigneur, et alors que aucune récidive à ce cancer, Seigneur. Merci de la bénir, de la wane, de la remplir de ta paix. Merci pour Marie-Noël, qui a des ennuis avec la digestion et tout ça, et les douleurs qui persistent. Alors, merci de la guérir, de la restaurer, qu'elle reçoive de toi. Nous prions pour Guillaume, qui est en train d'arrêter son activité professionnelle et qui fait un burn-out, une dépression sévère. Nous prions que Guillaume soit complètement relevé par ta main toute puissante. Qu'il soit guéri, restauré. Nous prions pour Antuel, 36 ans, papa de deux petits bouts de chou. Alors qu'il est en rémission d'un cancer, on vient de découvrir des métastases. Seigneur, déploie ta puissance de guérison et du miraculeux dans le corps de Antuel. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour les maisons de retraite en France ainsi que partout ailleurs, afin que nos seigneurs, nos aînés, Seigneur, qui puissent te rencontrer, Seigneur, et
puisse vivre un moment avec toi. Révèle-toi à eux, Seigneur. Merci. Nous prions afin que nos seigneurs, Seigneur, nos aînés soient soignés avec dignité, compassion, patience, respect et amour, Seigneur. Et merci de pourvoir pour les personnes, des aides-soignants, soignantes, pour qui ont ce métier à cœur, pour s'occuper d'eux. Et merci, Seigneur, Dieu, pour ta fidélité. Merci afin que prendre soin de nos aînés correctement. Prie pour Catherine, Seigneur, alors que ses analyses de sang ne sont pas bonnes. Seigneur, alors merci de la toucher, de la bénir, qu'il n'y a aucune conséquence grave. Nous prions pour Théogène, Seigneur, pour le guérir de sa dépression maintenant. Touche-le de la tête aux pieds. Prie pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir, de les garder, de les accompagner tout au long de cette journée. Dans ton précieux nom, Seigneur. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, lumière du monde, en lui nous sommes libres, puissant souverain, son règne est sans fin, lumière du monde, en lui nous sommes libres. Alors, soyez bénis dans cette journée, que Dieu vous accompagne, demain matin, Dieu voulant. On est ensemble.